On va prendre juste un passage. Oh Seigneur. Il y a quelqu'un d'autre qui veut son baptême. C'est qui? Quelqu'un d'autre ici veut son baptême. Oh Seigneur de gloire. Jesus Christ. La personne veut suivre le Seigneur mais hésite. C'est ton jour, c'est ta soirée, maintenant. C'est ton jour. Viens, nom de Yeshua. Ça va? Oh, Dieu te délivre ce soir même. Jesus, sors. Sors de lui. Sors de lui. Va-t'en. Va-t'en, va-t'en, au nom de Jésus. Sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors. Fini. Fini. Dieu t'aime, jeune garçon. Dieu t'aime, tu vois. Dieu t'aime. Oh. Ça va? Il te guérit. Il te sauve. Tu as quel âge? 16 ans. Ça va? Tu fais quoi? Tu as l'école ou tu fais quoi? Je fais l'école. Je fais l'école. Cours là-bas. Ça ne vous choque pas? Ça ne vous... Moi, je suis surpris. Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vole au ciel? Jean. Chapitre 6. Nous allons prendre à partir du verset 1er. Après ces choses, Jésus s'en alla au-delà de la mer de Galilée, qui est la mer de Tibériade. Et une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Mais Jésus monta sur une montagne, et il s'assit là avec ses disciples. Or la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Et Jésus, ayant levé ses yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, dit à Philippe, « Où achèterions-nous des pains afin que ces gens aient à manger ?» Or, il disait cela pour l'éprouver, car il savait bien ce qu'il allait faire. Amen. Qui a déjà traversé, je ne dirais pas les épreuves, mais une épreuve. Je pense que tout le monde, hein? Ok. Qui a déjà été tenté, ne serait-ce qu'une seule fois? Qui a déjà eu l'impression que Dieu ne l'entend plus? Ne le voit plus. Qui a déjà eu l'impression que Dieu aime plus les autres que lui? Qui a déjà eu l'impression que Dieu parle plus aux autres qu'à lui? Qui a déjà été découragé dans sa marche chrétienne? Qui a déjà demandé au Seigneur de le prendre pour qu'il rentre à la maison? Alléluia. Amen.
Je crois que tous les humains sont concernés, notamment ceux qui sont enfants de Dieu. Nous sommes d'accord, hein? Ok. Waouh! Plus nous nous approchons du retour de Jésus, plus nous souffrons. Plus les choses deviennent compliquées. Il y a de plus en plus de malades, il y a de plus en plus de décès, il y a de plus en plus la pression spirituelle, la pression morale, la pression physique. Ceux qui vont à l'école subissent toutes sortes de pressions de la part de certains professeurs, de la part des amis, de la part de camarades, de la part aussi de ceux et celles qui veulent les faire tomber dans le péché sexuel. Et ceux qui travaillent, certains sont oppressés par leurs collègues, par leurs patrons. Il y en a, ce sont les voisins qui les oppressent. D'autres sont déçus sentimentalement. Il y a beaucoup de souffrances. Certains ont fait plusieurs églises. D'autres même ne vont plus dans les assemblées et restent à la maison parce qu'ils sont blessés, parce qu'ils sont déçus. Et le Seigneur a dit que avant son retour, beaucoup de gens allaient abandonner la foi à cause de la pression. Et dans Jean 6, le Seigneur guérit les malades. Il a guéri beaucoup de malades, des aveugles, des sourds, des boiteux, des handicapés, des gens qui avaient diverses maladies. Mais cette foule qui le suivait était affamée. Cette foule avait rencontré une épreuve. Également les apôtres. C'était l'épreuve de la faim. Ils avaient faim. Il fallait qu'ils mangent. Et Jésus pose une question à ses disciples. Où achèterons-nous du pain pour tout ce monde? Et la parole nous dit tout de suite après, il savait très bien ce qu'il allait faire. Mais pourquoi va-t-il poser la question aux apôtres s'il savait ce qu'il allait faire? Vous savez, une épreuve à laquelle Dieu nous soumet peut se manifester sous la forme d'une équation, n'est-ce pas? Qu'il va falloir résoudre. On est d'accord, hein? Voilà. Il te soumet à une épreuve, et cette épreuve, quand tu te retrouves face à elle, devient une équation, un problème qu'il faut résoudre. Et là, humainement parlant, c'est impossible. Voilà. Et je veux dire à quelqu'un ce soir, je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu traverses, toi seul le sais. Si tu es chrétien, tu es certainement devant une épreuve. Alors, tu dois savoir que avant que cette épreuve ne te soit imposée, Dieu savait, Dieu sait déjà ce qu'il va faire. Dieu a déjà la solution. Alléluia! Alors, souvent quand on est face à une épreuve, qu'est-ce que l'on fait? En tant qu'humain, en tant qu'être humain, on va chercher la solution auprès des hommes. Voilà. Et là, on est souvent déçu. Qui a déjà été déçu par les hommes? Nous tous, hein? Voilà. Parce qu'ils vont vous faire des belles promesses. On va te donner telle chose. On va t'embaucher, on va te proposer, on te propose tellement de choses. Il y en a même qui vont de pasteur en pasteur, d'église en église, de gourou en gourou, cherchant la solution à leurs problèmes. Mais au lieu de trouver la solution, ils se retrouvent avec plein de problèmes. Beaucoup. Une sœur est venue me voir en Côte d'Ivoire. Elle était toute maigrichonne, toute, n'est-ce pas, amaigri.
Et elle me dit, prie pour moi, car j'ai le VIH en phase terminale, phase finale. Je suis allé voir un prophète pour ma guérison. Et le prophète m'a dit, donne-moi une offrande qui te coûte cher et tu seras guéri. Elle me dit, je lui ai donné 65 000 francs CFA, donc 100 euros. C'est tout ce que j'avais comme économie. Et c'est tout ce qui me restait pour acheter mon traitement contre la maladie. Parce que je lui ai fait confiance. Et malheureusement, pour moi, je ne suis toujours pas guéri et la maladie s'est aggravée. Et elle est morte. Voyez, beaucoup de parents, parce qu'ils se retrouvent face à une difficulté donnée, des parents par exemple dont les enfants font du foot, ils pensent que pour que leurs enfants prospèrent dans ce milieu, doivent aller voir, n'est-ce pas, des marabouts, des voyants. On leur fait faire des bains, ils vont pratiquer des choses traditionnelles. Et ils s'enfoncent dans le mal. Imaginez ici, il y avait plus de 4000 personnes. Il fallait les nourrir. Ça, c'est le premier problème. Le nombre très élevé, trop important. Deuxième problème, ils étaient dans un désert. Philippe l'a dit, hein, où achèterions-nous du pain pour toute cette foule? Nous sommes ici dans un lieu désertique. C'est le désert. Ah ah. En fait, face au problème, beaucoup de chrétiens ne voient pas comme Dieu voit. Et ils vont se compromettre. Ils vont chercher la solution auprès des hommes. Ils vont devenir même des mendiants. Des mendiants. Je suis allé en Belgique dimanche dernier. Le Seigneur m'a donné à partager un message sur être enfant. Il a dit aux apôtres, si vous ne devenez pas comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Alors le Seigneur me disait, un enfant, c'est qui? Qu'est-ce qu'un enfant? Un enfant, c'est quelqu'un qui dépend totalement à ses parents sur le plan alimentaire. Un bébé, quand il pleure, quand il crie, sa maman doit s'appliquer pour l'alimenter. Vrai ou faux? Voilà. Et Dieu me disait, beaucoup de mes enfants ne savent pas me demander. Beaucoup ne sont pas exaucés parce que, au lieu de s'attendre à Dieu, ils vont commander auprès des hommes tout le temps, tout le temps, tout le temps. L'homme peut te donner aujourd'hui, demain et après il va se fatiguer. Et il peut te critiquer. Parce qu'il c'est un homme. Et vous ne pouvez pas lui en vouloir parce qu'il n'est pas Dieu, il est limité. Lui aussi a ses problèmes. C'est ça le problème. Donc très peu de chrétiens sont dans la dépendance sur le plan alimentaire vis-à-vis de Dieu, sur le plan social. Donc être enfant, être dépendant de Dieu. Et il me dit, deuxièmement, être enfant, c'est l'obéissance totale. Vous appelez un enfant, viens ici. Ton enfant va venir. Un enfant obéissant, il va venir. Naturellement. L'obéissance. Là, il y a la foule. Premier problème. Deuxième problème, le désert. Il n'y a rien tout autour. On ne voit rien. Même à 100 km, on ne voit, c'est le désert total. Maintenant, on te dit que c'est dans ce désert-là, il faut que tu trouves à manger. Voyez, regardez. Dieu vient. Il vous donne un beau message. La délivrance. Le message du retour à la parole. Qui doit vous libérer, nous libérer. Ce n'est pas l'évangile de Chora. C'est la parole de Dieu parce que l'évangile libère. Vous maintenant, avec ce message-là, je prends un exemple, l'enseignement sur la dot. Dieu vous dit que la dot, c'est une tradition qui détruit les vies. Il n'aime pas ça parce qu'il nous a acheté. 1 Corinthiens 7, 23. On ne peut pas vendre quelqu'un que tu as acheté. Parce que ce sont les esclaves qui sont vendus.
Il a dit, vous avez été acheté à grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Pour être vendu par la suite, bien sûr. Et vous, vous dites, beaucoup de chrétiens se disent, oui, c'est vrai. Mais, vous avez vu la foule qui nous regarde? Mon père, ma mère, mes oncles, mes tantes, tout ça. Quand ils vont se lever, comment je vais faire? Voilà le religieux, manque de foi. Ils vont se compromettre à cause de la foule. Mais oui, ça y est, il y a la foule. Waouh! Waouh, Seigneur! Manque de foi. Face à un problème donné, Dieu te pose la question. Il te présente un message. Ce message, quand tu le reçois, suscite en toi des questions. Mais ce n'est pas toi qui as la solution. Parce que Dieu sait déjà ce qu'il va faire. Tu fais ton baptême? Viens. Tout va bien? Tes parents travaillent? Et ton père? Non, c'est la galère. Hein? Ouais? J'ai quelque chose pour toi. C'est ce que Dieu m'a dit. Julien, viens s'il te plaît. Donne-moi quelque chose pour ce jeune homme, Ma sacoche est quelque part, hein? Suis-le là. Et c'est grave. Je dis bien. Quand Dieu expose son enfant à une épreuve, cette épreuve te suscite des questions. Plein de questions. Comment je vais faire? Comment on va faire? Comment on va faire? Comment on va faire? Parce qu'il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose. C'est ce que Dieu a fait avec moi. C'est ce qu'il fait avec moi. Quand il me révèle un problème, ce problème devient une question, des questions. Seigneur, regarde un tel. Regarde. Il dit, si tu écoutes les gens, tu seras disqualifié. Seigneur, où trouverons-nous du pain? Dans un lieu désert. Et regardez bien. Dieu est magnifique. Il y avait un petit enfant. Avec combien de pain? Hein? Voilà. Et il y a eu deux, hein, deux épisodes comme ça là. Et quelques poissons. Un enfant. Un petit garçon. Dieu n'a pas besoin d'un théologien pour secouer le Gabon. C'est un message prophétique. Dieu n'a pas besoin d'un prophète. Dieu n'a pas besoin d'un bishop. Dieu cherche un enfant. Qu'il soit femme ou homme. Dieu n'a pas besoin d'une foule de pain, d'une foule de poissons pour nourrir la foule. Dieu a besoin d'un seul poisson, deux poissons, c'est tout. Parce qu'il est le Dieu de la démultiplication. Il dit ici, ce grain de blé qui tombe en terre, un seul blé qui tombe en terre, s'il ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il produit des fruits. Dieu t'expose au problème parce qu'il veut que tu meures. On t'insulte, c'est pas grave. On te rejette, c'est pas grave. Tu te retrouves seul, abandonné, incompris, c'est pas grave. Mais toi, n'abandonne pas la foi. Oh, amène-moi la personne là-bas. Il y a quelque chose ici. Je dis, il y a des gens que Dieu veut réveiller ici. Il y a des guerriers, des prophètes et des prophétesses. Voyez l'onction qui arrive ici là. Voyez. Il y a quelque chose qui arrive ici. Il y a des prophétesses ici. Des prophètes. Après ce programme, tout le Gabon sera embrasé. Il y a des familles entières qui vont se convertir. Je vous dis. Tu vois, non? Ton désert se transforme en un fleuve. Aidez-moi ces prophétesses-là. Aidez-moi ces prophétesses. Aidez-moi ces hommes et ces femmes de Dieu. Laissez-les courir. Oh, il y a quelque chose ici. Tu vois ça?
On se moque de toi. Parce que ta vie sur le désert, on t'a rejeté. On te critique. On te lapide. Dieu dit, ma fille, mon fils, je te visite ce soir. Me voici. Aide-la. Aide-les. Souviens-toi, quand je te parlais en songe, souviens-toi du songe que je te donnais, de la vision que je te donnais, souviens-toi de la prophétie que tu as reçue le jour de ta conversion. Souviens-toi, mon enfant, je viens visiter le Gabon. Dieu dit aux Gabonais et aux Gabonaises, c'est lui le roi du Gabon. C'est lui qui a la commande du Gabon. C'est Jésus qui se lève pour le Gabon. Il est là. Le maître est là. Aidez-moi ces personnes. Aidez-les. Aidez ces hommes. Aidez ces jeunes hommes. Ces messagers, ces messagères de la bonne nouvelle. Ces colombes qui vont être lâchées dans tout le Gabon. Aidez-les. Aidez-les. Des hommes et de femmes du réveil. Ils vont amener le réveil partout. Des morts seront ressuscités. Les aveugles vont voir. Vous allez expérimenter la puissance de la résurrection. Dieu dit qu'il a rejeté tous ces pasteurs qu'on appelle grands pasteurs. Et une nouvelle race de prédicateurs, de prédicatrices est suscitée. Une nouvelle génération. Voici, voici, voici l'esprit. Voici l'esprit. Aidez-les. C'est fort. 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 C'est toi que Dieu appelle. C'est toi que Dieu a choisi. Tu ne peux pas faire marche arrière. Tu n'as pas le choix. C'est toi que Dieu appelle. Tu n'as pas le choix. Oh! Je t'aime. C'est toi. Jesus, aide-le. 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 Voici l'onction. Voici l'onction. Jesus. Aide-le. Il y a quelque chose ici là. Aide-le. Il y a le feu. Il y a le feu. L'Esprit de Dieu, l'onction d'Élie est répandue ce soir. Aidez-le, 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 aidez-le. Tu vois ça, tu vois ça, tu vois ça. La pluie est déversée. Les messagers, allez au village, répandez le message, répandez le message. Aidez-les. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Le feu du réveil. Oh. 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 Tu vois ça? Tu vois ça? La gloire. Tu vois la gloire. Tu vois la gloire. La gloire. Oh. La gloire. 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 Jesus. La gloire. Jesus. 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 Oh. C'est une prophétie. Dieu les réveille. Là, là, là. Le don de guérison. Voici l'onction. Et don de miracle. Voici l'onction. Aidez-la. Aidez-la. Aidez-les. 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 Merci. Aidez-les. Oh. Jesus. Jesus.
Tu vas l'onction sur toi. Oh. 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 Ma fille, voici ma puissance sur toi. Aide-la, aide-la. Oh. 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 Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Il y en a qui ne voulaient plus répondre à l'appel à cause des blessures, à cause des hommes. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Il y a des Paul modernes. Il y a des Jérémie modernes. Il y a des prophétesses comme Déborah. Voici, voici la main du Père sur toi. Ma fille, je change ta famille. 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 Oh, voici la main de Dieu sur toi. Voici la main de Dieu sur toi. Oh, 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 oh. Oh. Le peu que tu as, c'est ce que Dieu va multiplier. Ne te minimise plus. Aide-le! Aide-le! Tu t'es longtemps minimisé. Tu ne dois plus convoiter, envier les autres. C'est avec toi que Dieu veut faire. C'est avec toi que Dieu veut agir. C'est par toi que Dieu va passer. Par toi! Ne regarde plus ton âge! Plus jamais! Plus jamais! Plus jamais! Ne te focalise plus sur ton problème. Focalise-toi sur Jésus. Il est plus grand que ta maladie. Il est plus grand que ton problème. Il est plus grand que les sorciers. Plus grand que le diable. Oh! 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 Oh, 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 il a commencé une histoire avec toi, il veut l'achever, il a commencé un travail avec toi, il veut l'accomplir, il va finir l'œuvre qu'il a commencé avec toi, il va la terminer ce travail, cette onction, Dieu va la faire grandir, mais toi reste fidèle, reste fidèle, reste fidèle jeune fille, voici la main de Dieu sur toi, voici la main de Dieu sur toi, tu vois. Tu vois le feu, tu vois le feu, il t'a mis dans ce feu. L'épreuve, c'est pour te qualifier. C'est pour te qualifier. Te qualifier. Oh. Dieu sait que tu traverses une épreuve. Il le sait.
Il sait que tu n'es pas compris. Il sait que tu n'es pas compris. Continue à faire ce qui est juste. Ce qui est juste. Oh Père, la maladie de ta mère porte un nom. Mais Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de ce nom-là. Ton problème porte un nom. Mais le Seigneur a reçu le nom qui est au-dessus de ce nom. Ne laisse pas le péché te dominer. Ne laisse pas un homme t'écraser. Toi, toi que Dieu a appelé. Toi que Dieu a appelé. Oh. Ça va? Oh. Jeune fille, viens derrière toi. Oh. Il t'aime, le Seigneur. Il sauve ta famille. Il sauve ta famille. Et il te délivre. Cette chose sort. Ce démon sort. Jesus. Au nom de Yeshua. Dieu t'aime. Il est ton père. Ouais, il est ton père. Ah. Wow. Oh. Vous voyez, dans cette présence, des chaînes se brisent naturellement. Des démons sortent naturellement. Il n'y a pas une seule équation que Jésus ne peut résoudre. Ça va? Allez, oh. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors d'elle au nom de Jésus. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle, démon. Sors. 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 Au nom de Jésus. Allez, tu sors. Allez, tu sors. Esprit de surdité. Sors au nom de Jésus de Nazareth. Quitte tes oreilles. Quitte tes oreilles. Quitte tes oreilles. Quitte tes oreilles. Maintenant, maintenant, maintenant. Chassons ce démon-là. Jesus. Sors. Sors, sors, sors. Sors. Maintenant, maintenant, au nom de Jésus. Maintenant. 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 Oh. Au nom de Jésus de Nazareth. Ah, oh, Seigneur. Jesus. 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 Jesus.
Jesus. Au nom de Jésus. Elle est née comme ça. Oh. Jésus, viens. Jésus. Oh. Alléluia. Alléluia. Elle est choquée. Laisse-la, laisse-la. Sa maman est où? Maman! Alléluia! 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 Viens la prendre dans tes bras. Allez, on acclame le Seigneur de gloire. Viens la chercher là. Un chant de louange, un chant de louange à la gloire de Jésus. Un chant de louange. Tout le monde debout. Tout le monde debout. Un chant de louange. Alléluia, Seigneur.
Elle est née comment? Sourde et muette. N'est-ce pas? Le démon a été chassé, vous avez vu, non? Quand elle a commencé à entendre, elle était choquée. Elle faisait ça. Oh! Oh! Et vous allez dire que Jésus-Christ n'existe pas? Non, non, un chant au Gabon ici de louange là, que tout le monde connaît là, pour louer le Seigneur. C'est quoi? C'est quoi ce chant là? Hein? Hein? Un chant gabonais là, dans une langue ici là. Il faut y aller, il faut le louer là, Jésus là. On y va.
On peut avoir un micro. Dieu dit dans Joël 2 que dans les derniers jours, qu'il répandrait son esprit sur toute chair. Même les enfants, vos jeunes gens auront des visions, n'est-ce pas? Ils vont prophétiser. Et des vieillards ont des songes et des visions. Cet enfant vient me voir pour me parler de ce qu'il vient de voir. Quel âge as-tu? 6 ans. Attends. Tu as quel âge? 6 ans. 6 ans. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Nathan. Tu as vu quoi? Lumière dans le ciel. Tu as vu la lumière? Oui. Ce soir? Oui. Elle était comment cette lumière là? Elle t'a allumé, elle s'est maintenant arrêtée. Tu as eu peur? Non. Il a vu la lumière dans le ciel ce soir là. I love you, Jesus. Je t'adore, Jésus, je t'adore. Je t'acclame. Je t'acclame. Alors, qui veut prendre son baptême encore là? Qui veut absolument prendre son baptême et suivre le Seigneur? Qui? Regardez ce que le Seigneur fait. Qui veut donner sa vie à Jésus? Ceux qui veulent se convertir là, venez. Ceux qui veulent prendre leur baptême et qui n'étaient pas là encore, venez. C'est magnifique ça. Qui est choqué? Moi le premier. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est pour le baptême? Gloire à Dieu. Venez à Jésus, oh venez. Venez à Jésus, venez. Hey! Venez à Jésus, oh venez. Venez à Jésus, venez à Jésus, venez à Jésus, venez. C'est pourquoi? Donnez ma vie à Jésus. Tu veux de Jésus? Donnez ma vie à Jésus. Amen.
donner ma vie à Jésus. Amen, amen, amen. C'est pour le baptême. Baptême, baptême, baptême. On y va.